Bonjour les gaffi-clubbeuses et gaffi-clubbeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir enfin cette nouvelle poussette de la marque Bugaboo, la Ant pour fourmi, donc, et donc la nouvelle micro-citadine de la marque Bugaboo. Alors la nouvelle, bien sûr, la seule et unique micro-citadine, puisque je vous le rappelle, la gamme se situe avec une familiale compacte, donc la Bi, assez polyvalente. Après, nous avons la Caméléon, la Fox, la Donkey. Donc là, c'est vraiment la micro-citadine de la gamme. Donc, on va la découvrir ensemble avec ses avantages. Et peut-être ces quelques petits défauts, nous allons voir tout ça. On peut constater déjà les petits trous qui caractérisent tout de suite la micro-citadine avec une suspension centrale ici, comme ceci, vous voyez, qui reste assez souple avec un débattement assez court. Donc du coup, ça va être confortable, mais avec un enfant plus lourd, on sera vite embuté quand même, hein. C'est le problème des suspensions légères, enfin les suspensions souples plutôt. À l'avant, nous avons aussi une suspension un peu plus ferme avec un débattement un peu plus sympa. Je dirais que presque je préfère les suspensions avant que celles-ci. Les roues avant sont encore plus petites pour encore plus de maniabilité, pour gagner encore plus de gabarit. Alors, je vais enlever le petit nid d'ange que vous connaissez, hein, c'est un nid d'ange Bugaboo. Là ici on est sur une version été, d'accord, pour faire la nacelle, puisque sur ce modèle nous n'aurons pas la possibilité de rajouter une nacelle à part entière comme sur la Bi. Voilà, on y retrouve des choses un peu familières, c'est-à-dire le harnais 5 points Bugaboo, donc je le rappelle, qui est un harnais avec 4 points d'ancrage qui se libèrent tous d'un seul coup, ce qui permet de libérer l'enfant en une seule fois, sans avoir à lui écarteler les bras pour le passer dans le harnais, et qui vont se remettre très facilement, comme ceci. Non, il faut le mettre peut-être à l'endroit, ça ira mieux. Hop. Toc et toc. Donc la manip est un peu plus longue, mais beaucoup plus aisée. Ceux qui ont déjà eu des enfants le savent déjà. Et donc avec un réglage pratique, comme ceci, on tire et on desserre comme ceci. Voilà. Alors, ici, la poussette est en configuration allongée face à nous. D'accord, donc la capote possède un soufflet juste ici pour agrandir la capote quand on est en version allongée. Et bien sûr, quand on va redresser le hamac, donc en version, donc vous voyez, allongée, inclinée ou assis. Donc du coup, pour donner de la visibilité à l'enfant, on va réduire la capote en refermant le soufflet. Ce qui va nous permettre d'avoir une protection pour l'enfant au niveau du soleil, mais l'enfant aura une meilleure visibilité de ce qui se passe autour. Voilà. Nous avons donc à l'avant, sur ces roues, donc un petit tampon comme sur la Bi, en caoutchouc mou, qui sert un peu de pare-choc. Et nous avons un bouton juste derrière ici, qui va nous permettre d'enlever les roues pour effectuer un petit nettoyage. Donc on est donc sur un axe classique. Bien sûr, on est chez Bugaboo, donc tous les roulements sont habillés au niveau des roues. Hein. Donc pas de souci de ce côté-là. Ça clique très bien. On voit la suspension juste à ce niveau-là, comme ça. Ici, nous avons aussi un petit pare-choc en caoutchouc mou qui vient seconder ces deux-là. Voilà. À l'arrière, nous avons un système de frein classique. Alors, dommage, on n'a pas le système de frein de la Bi que l'on voit juste ici. Vous voyez, où on va pouvoir réactionner le frein, même pieds nus, par-dessus. D'accord? Ici, nous allons être obligés de relever ici, ce qui est, vous voyez, pas super agréable quand on a des pieds nus. Voilà, ici ces petits trous sont faits pour accrocher la planche Bugaboo, d'accord, donc de la marque.
Et donc, nous avons des petits boutons ici qui vont nous permettre, là aussi, d'enlever les roues arrière, donc toujours sur roulement, pour effectuer le nettoyage. Alors, au niveau des paniers, ici on en a deux. On en a un à l'arrière, un petit, qui supporte jusqu'à 5 kg. On va pouvoir mettre des bouteilles d'eau, par exemple, des choses un peu lourdes. Et à l'avant, nous allons avoir un panier plus grand qui va pouvoir contenir jusqu'à 3 kg. Donc 5 et 3, nous avons 8 kg de capacité de chargement. Et donc ce panier avant va pouvoir se refermer comme ceci, si on ne veut pas que les affaires puissent tomber de la poussette. Voilà. La qualité est bonne et les tissus sont résistants, donc pas de souci de ce côté-là. Ici, nous avons le réglage d'inclinaison. Okay. Et nous avons un petit rappel ici qui nous confirme que nous pouvons mettre un enfant jusqu'à 22 kg. Voilà, donc maintenant au niveau de la poignée, le coulissement des branches ici viennent tout droit du département bagagerie de la marque. Et donc on va retrouver ce petit côté négatif des poignées télescopiques de nos chères valises avec un peu de jeu comme ceci, mais bon, c'est obligé hein, si on veut que ça coulisse, il faut qu'il y ait du jeu. Et donc du coup une sensation branlicotante qui fait que la poussette tout de suite par rapport à une bille ou une poussette de la marque où on a tout de suite une sensation de robustesse, là on a une impression un peu cheap de la poussette. Et je trouve ça un peu dommage, je n'aurais pas fait ça, mais bon, pour le pliage, vous allez voir, c'était un peu obligé. Dans la continuité de ces branches, nous avons une poignée qui, malheureusement, là aussi, est de finition plastique, qui est pas très qualitatif pour la marque. Encore une fois, si vous regardez les autres modèles, c'est pas traité comme ça. Et avec un assemblage assez moyen, vous voyez, on peut passer l'ongle à l'intérieur, c'est pas terrible. Donc je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux à ce niveau là au moins nous recouvrir les poignées d'un simili cuir par exemple pour faire quelque chose de plus agréable et qualitatif. On est quand même chez Bugaboo, donc on peut se permettre d'attendre des choses un peu mieux que ça. Et donc du coup je vais vous montrer donc le fonctionnement. Donc, en appuyant sur ce bouton ici, je vais pouvoir rentrer, d'accord, la poignée, d'accord, avec plusieurs réglages. Donc là, je lâche la poignée, vous voyez, et je vais pouvoir régler un intermédiaire, c'est-à-dire haut, hop, et bas, d'accord. Alors, il y a un petit mouvement, c'est droite et gauche, donc ouais, mais ça se reclique facilement. Il faut un peu zigogner pour trouver le bon cran. On va arriver en butée ici, d'accord. Et là, on va être sur un réglage qu'on appelle restaurant ou parking, où on va avoir une poussette beaucoup plus compacte pour éviter de gêner le passage et donc avoir une poussette encore plus compacte quand on est dans un endroit comme un restaurant ou chez des amis, etc., où on ne veut pas plier la poussette puisque l'enfant reste quand même dedans. Voilà. Maintenant, pour la plier cette poussette ou pour passer le hamac de face à vous à face à la route. Alors, vous avez beaucoup de manipulations à faire sur cette poussette. Vous avez commencé par plier la capote et la replier sur elle-même comme ceci, d'accord. Vous allez ensuite la rabattre à l'intérieur, d'accord, et la mettre en position allongée puisque on est face à nous. Et rabattre le tout comme ceci, d'accord. Après, on va venir fermer le pliage comme ceci et actionner les deux manettes, une et deux de chaque côté, et la prendre par ici, d'accord, et hop, la fermer comme ça. Donc la poussette est assez compacte. Elle reste plus grosse que la reine de la catégorie et plus lourde, mais
pour une poussette réversible jusqu'à 22 kg dans cet encombrement, ça reste très 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 correct et très intéressant. Elle se pose par terre comme ça et tient debout, sans problème. Vous pouvez également rouvrir la poignée comme ceci pour vous en servir comme une valise, relais, et faire rouler plutôt que de la porter. Ok ? Voilà, c'est assez maniable, c'est assez sympa. Hop, tac. Maintenant, pour la rouvrir, c'est très simple. Je vais actionner donc mes deux manettes de chaque côté, comme ceci. Hop. Je vais clipper et je vais rouvrir ma poignée comme ceci. Hop. Je vais clipper donc soit en position intermédiaire, soit en position haute. Et je vais donc rabattre mon hamac comme ceci et le rouvrir. Mais là, je vais vous montrer plutôt comment le retourner en face à la route. Donc je reste dans cette position là et là je vais prendre le hamac comme ceci, je le fais glisser, vous voyez, hein, y a pas de poignée, y a pas de bouton, hein, je prends simplement ici, hein, c'est très simple, hein, d'accord, toc, je le fais glisser et je vais le remettre en position donc pour être en face route. Là je vous conseille toutefois de faire attention au tissu et de bien rentrer sur les côtés avant de faire cette manipulation, parce que sinon vous risquez d'être gêné, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc voilà, je fais profiter de mon expérience aussi, comme ceci. Et une fois que le hamac est bien enclenché, on va le relever comme ceci, en position assise, et là du coup on est face à la route. Pour terminer l'ouverture, on va lever avec cette petite sangle le hamac, ouvrir la capote, et le tour est joué. On notera que dans cette position-là, vous avez deux réglages, incliné ou assis. D'accord ? On n'a plus de cran allongé. Donc assis ou incliné, c'est tout. Tac. Voilà pour le hamac et pour le pliage. Bien sûr, vous pouvez également plier la poussette avec le hamac face à la route. Ça me paraît logique. Refermant la capote, comme ceci, on rabaisse le hamac, on rabaisse tout ça au niveau du châssis, on ferme ceci, hop là. Alors, vous verrez sur les vidéos de Bougabou ou d'autres, certains la plient différemment. Moi, j'ai trouvé que c'était la façon la plus simple, la moins dure, pour moi en tout cas. Maintenant, chacun peut l'appliquer comme il veut, hein, bien sûr. D'accord ? Chacun sa technique, comme on dit. Voilà. La poussette est bien sûr garantie 2 ans plus 1 an supplémentaire en vous inscrivant sur le site Bougabou comme toutes les autres poussettes de la marque. Je dirais que cette poussette a de réels avantages. Elle est encore peut-être un peu jeune et demande à être un peu améliorée au niveau de certaines finitions. On en a parlé un peu en avant. Mais elle est quand même prometteuse. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à tout mettre dans les commentaires. N'oubliez pas notre compte Instagram et Facebook pour les photos et les infos. Notre site, bien sûr, pour les pièces détachées, gafficlub.com. Je vous dis à bientôt les gafficlubeuses et gafficlubeurs. Bye bye!